Merci. Donc, bonsoir à tous. Donc, comme l'a dit Philippe, moi, je m'occupe du module de communication et marketing des associations dans le master. Et je réalise aussi des recherches sur le don. Et je suis ravie d'accueillir autour de la table donc, tous les intervenants qu'on a ce soir. Alors, dans les intervenants, il n'y en a qu'une que je ne connais pas, parce que c'est Philippe qui la connaît, c'est Mathilde Cuchet-Choselet, qui est déléguée déontologie et relations extérieures au comité de la charte, donc qui va nous parler notamment de déontologie et Internet. À côté, nous avons Jacques Mallet, que je remercie également d'être venu de loin, puisqu'il est provincial. Donc Jacques est directeur de l'association Recherche et Solidarité, que vous devez tous connaître, puisqu'ils fournissent un certain nombre de statistiques et d'études pour le secteur associatif, et on collabore de temps en temps ensemble. Ensuite, nous avons Yael Aferia. Alors Yael, je suis ravie aussi qu'elle soit là parce que c'est une ancienne du master et j'avais eu l'honneur d'encadrer son mémoire il y a quelques années, qui n'était pas sur Internet à l'époque, mais sur la collecte dans l'enseignement supérieur. Voilà, et qui est la directrice de, de l'Association française des collecteurs de fonds, donc des fundraisers, voilà, avec qui on collabore aussi de temps en temps sur des publications. Et puis à côté de moi, Christophe Leroux, qui est une double casquette puisqu'il est à la fois directeur de la collecte et de la communication de la Ligue contre le cancer. Donc il va venir témoigner sur son vécu sur la collecte et qui également est intervenant dans le master puisqu'il intervient 3 heures par an pour expliquer tout ce qu'il fait dans mon cours. Voilà. Donc je le remercie aussi d'être venu et je vous remercie tous de vous être libérés plus le soir pour venir. Et puis je voulais vous remercier aussi, enfin en tout cas je ne vous connais pas tous, mais ça me fait très plaisir parce que d'un coup j'ai vu réapparaître les années, parce que j'ai vu réapparaître pas mal d'anciens du master, donc ça me fait beaucoup de bien de vous voir là. Et puis certains travaillent justement dans la collecte sur Internet, comme Ghislain qui est chez Greenpeace, donc tout à l'heure il pourra nous parler de son expérience, et puis on en a d'autres qui sont orphelins d'Auteuil ou dans d'autres structures, donc n'hésitez pas, en fait on va faire intervenir chaque personne, et puis ensuite on va vous passer... Voilà, donc... C'est mon temps de parole qui est fini. Donc voilà, ensuite on va vous passer la parole pour une bonne 20 minutes, une bonne demi-heure pour que vous puissiez aussi poser des questions, vous exprimer sur votre vécu, puisque j'imagine qu'il peut y avoir des choses très intéressantes aussi à capter dans la salle. Donc tout d'abord on va passer la parole donc à Yael, voilà, et je vais lui poser la question de la table ronde. Donc Yael, est-ce que tu penses que Internet est l'avenir de la collecte ?